Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Composition des deux formations. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Il y a de bonnes chances que ce soit Edin Dzeko. Un attaquant grand et solide, qu'on trouve facilement dans la surface et qui marque souvent des buts importants. C'est vrai que je le verrais bien marqué dans ce match. Il écarte, c'est bien fait. Djukanovic. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il y a de vrais duels là. Kolašinac. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. De tir et il tombe sous la pression. Soirée, il joue en profondeur. Le ballon sort en touche. Endoy. Alors que va-t-il faire? Il allonge. Le ballon sort en touche. Idrissa Gueye, quel timing dans l'interception. Ce ballon bien dosé. Soirée. Qui prend son temps. Un ballon intéressant. Le drapeau s'est levé hors jeu. Choisit la profondeur. C'est bien dosé. Bien servi. Il est lancé vers le poteau de corner.
intéressant. Oh, le bon ballon. Ça joue. Oh, très bon ballon. Il a trébuché sur cette intervention. Kouyaté. Idrissa Gueye. Ndoye. Le Sénégal qui cherche l'étincelle. Koulibaly. Idrissa Gueye. Il écarte le jeu. Qui est bien placé. C'est parfait, magnifique. Le bon centre. De la tête. Et c'est le but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Et c'est reparti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Kolašinac qui cherche la profondeur. Ndoye qui a un peu d'espace. Il allonge dans le dos de la défense. Joli passe lobée. Ça, c'est un. La frappe, attention! Et l'arrêt, magnifique! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Joue en profondeur. Idrissa Gueye. Ndoye qui a un peu d'espace. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. Il est bien placé. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il préfère repasser derrière. Pas le choix avec cette défense. Ce ballon dans l'axe. Il était à deux doigts de reprendre ce ballon. C'est joué long, attention. Kouyaté. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Pjanic, qui n'a pas cédé dans ce duel. Faut que ça va partir vite. Il est passé. C'est bien joué, ça. Il attend que ses coéquipiers le rejoignent, maintenant. Kolašinac. Faute, c'est indiscutable. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Il a trébuché sur cette intervention. Il allonge. C'est bien donné. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Il met le pied, ballon récupéré. Ça va sur l'aile. Kolašinac. Pjanic qui choisit le côté gauche. Kolašinac, il a de l'espace. Et le centre. Il met la tête. Ils sont passés
tout près d'égaliser. Il s'est peut-être précipité là, il avait le temps. Mais bon, c'est facile à dire quand on commente un match. Il choisit là-bas, sur l'aile. Oh, quel geste! Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Il a intérêt à vite se calmer, sinon il va aggraver son cas là. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Et il tombe sous la pression. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques.